Non, moi, on me dit que cet homme ou cette femme, ça dépend qui me regarde, mais a connu quelqu'un avant toi. Ouais, bien avant toi. Et puis, tu es rentré dans sa vie. Moi, j'aurais dit, je dirais plus que c'est lui qui est rentré dans la tienne, hein, que toi, que tu es rentré dans la sienne. Mais bon. Et puis, coup de cœur. Je dirais un grand amour. Chose qui ne ressentait pas pour elle ou pour lui. Ben, tout dépend qui me regarde, mais ben non. Non, il n'aurait pas dû, non, lui ou elle, rester avec cette personne, que parce que dans la vie, on a le droit, si, de changer d'avis, hein. Et que, si il s'est, lui ou elle, aperçu que, ben, ça faisait pas le même effet avec toi ou avec l'autre, eh ben, il ne fallait pas. Et malgré ça, il a continué, lui ou elle, avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre ben, a eu la vie, quelque part, que tu aurais dû avoir, tu vois. Et en t'aimant, toi. Et malheureux comme les pierres, en fait, jusqu'à ce que lui ou elle l'apprenne. Impose quelque part son veto, c'est-à-dire bon, je suis au courant, machin, et malheureusement, on t'a pas choisi, et pourtant, pour moi, il est sûr et certain que cet homme ou cette femme est amoureux de toi. À l'heure d'aujourd'hui, cette personne, pour moi, se pose les questions si de ton côté, tu l'aimes toujours. Si c'est toujours comme avant ou pas. Ok? Donc, je pourrais faciliter le travail de ces hommes ou de ces femmes qui ont agi de la sorte avec vous, mais je n'ai pas très envie. Non. Moi, s'ils veulent savoir ce que vous avez au fond de votre cœur, ils vous ont qu'à vous le demander. Et puis aussi, vous dire les vérités. Là, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, sur tout ce qui s'est passé. Eh ouais, parce que sinon, c'est trop facile en fait. Ok? Même si je sais et qu'on me le dit. Donc, s'ils veulent savoir où vous en êtes vis-à-vis d'eux,